notamment. Donc, j'ai acheté un nouveau téléphone, même si j'aime pas trop acheter des trucs quand j'ai des choses qui fonctionnent encore, mais bon. Le téléphone, malheureusement, c'est tellement central dans notre vie, enfin, ça gère tellement de trucs. Faudrait que je fasse un peu des efforts pour essayer de, entre guillemets, je sais pas, décentraliser un peu les actions. Je suis sûre qu'on peut faire mieux. Il y a des gens qui refusent d'installer tout ce qui est en rapport avec Google et tout, ils prennent des... Oula ! Mon micro s'est détaché. Salut ! Allô? Désolée, hein. J'imagine que ça n'a pas dû être très agréable, la chute du micro. Ça va? Vous m'entendez bien? Timberland que j'ai pas imperméabilisé et qui sont déjà dans un état pas possible. Ah, ok. Ok. Chitoun, bon, elle est bien là, mais moi ça me... Ah! Ça me met pas bien pour jouer. Vous la voyez plus là, mais... du coup, je joue sur le côté. Du coup, voilà, je remplace mon téléphone. Ça m'a coûté un peu cher, hein, mais bon, voilà. J'ai pris 2-3 autres trucs aussi. J'aurais pu acheter une manette d'ailleurs. Bon, tant pis. Donc la dernière fois, on était arrivé à ce truc-là que je comprenais pas comment ça allait marcher. Lui, on a essayé de lui poutrer la gueule, mais il a 90, donc il nous a éclaté, normal. Et donc, je sais pas comment on rentre là-dedans. J'étais passée par ce souterrain, je crois. Et dans ce souterrain, il y avait une quête. Non, il y avait un... Il y avait une énigme, je crois. Et ça m'avait gonflé, donc j'avais cut à ce moment-là. Carte du trésor de Leicestershire. On dirait que c'est au pied d'une sorte de petite butte. Et alors, il y a un château, il y a de la forêt et il y a de la montagne. Ça ressemble à cette zone-là, non ? Je pense que c'est bien si on s'en occupe maintenant. Je vais faire un screen. Touchant de pas pouvoir avoir les deux à la fois là. Paint. Ouais, bravo. Alors ensuite, c'est où? C'est là. Hop, je le mets ici. Voilà, je vois plus pendant un moment. Hop. Monde. Ouais, si, c'est cette zone-là. C'est... d'accord, là où il y a marqué les Leicestershire hier. Donc il y aurait un truc là-bas, qui a l'air d'être le château, là où il y aurait le point de synchro. Et donc du coup, ce serait par là. En gros. Ce serait dans la région de par ici, le trésor. Même plutôt par là, en fait. On va dire dans la zone de plus ou moins par là. Voilà, on va mettre 3 marqueurs. Hop, juste... Je... Voilà. On appelle le cheval. Et donc ça veut dire que, a priori, le truc qu'on peut récupérer ici, là, c'est pas comme ça qu'on récupère. Donc on verra. On verra. Ah, est-ce que ce serait pas au pied de ce truc-là? Ça m'a l'air pas mal.
Genre là-dedans, là. Ah! Oui, je crois que c'est bon! Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? On a 2 points de compétence, ok. Bon, il faudrait que peut-être qu'on les dépense, les points de compétence. Schéma de morsure de serpent. C'est un tatouage, ça, je pense. Objet à collecter. Modèle de bouclier pour votre navire. Ah, d'accord. Oui, bravo. Oui, bravo, on n'a pas mis 1000 ans. Et c'est juste que la dernière fois, j'ai vu le truc, j'ai fait... Waouh. Ôtez tous les marqueurs. Voilà. La dernière fois, j'étais en mode genre... relou, quoi. Peut-être que pour avoir l'armure de ce machin, il faut que je tue lui et que ça me donne une clé, genre... Je vois pas comment on rentre là-dedans. Ok, flemme. Vas-y, on va aller là-bas. Mais c'est loin, en fait. Sigurd, il est à Shire. Bon. Faisons quelque chose, et puis on verra comment on organise le reste. Mais là, ça va être pas mal de papillonnage. Je vais essayer de poncer autant que je peux de la zone, je pense. Et ensuite, on ira voir Sigurd. On ira voir Sigurd. Je fais un test cam, voir si ça lag. J'ai l'impression que ça lag ou pas, la cam. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah, crétin. Je dois vraiment tout faire moi-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Journal d'Iva. Nous avons le combat dans le sang. Je le sais depuis toujours. Mais mon frère refuse de le voir. Même lorsque notre mère nous a révélé la vérité au sujet de notre père sur son lit de mort, tu as pu oublier la torche ? Il a refusé d'ouvrir les yeux. Je m'en souviens si bien, elle était là, à cracher du sang après un féroce combat avec une de nos vaches, et a dit, les yeux brillants de fierté, « Tu es un Ragnarsson. » Mais mon frère prétend avoir entendu « Tu n'es rien ni personne. » Non, je vais lui faire comprendre que notre destin est de mener une vie de guerrier, pas de paysan. Je lui prouverai que nous sommes les dignes fils de notre père. Bon, alors... Non, ne viens pas nous distraire. Qu'est pas ça, là. Résoudre quelque chose, là. Il nous faut du feu pour incendier la maison. Ah, réfléchis un peu. Comment tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu mais à la maison. Ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah, crétin. Je dois vraiment tout faire moi-même. Les trucs à l'intérieur, vous voulez les cramer? Porte verrouillée. Trouvez la clé. Trouvez un luth. Trouvez une fleur. Tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié. Cool, Thomas. Ah, on peut entrer par là, apparemment. Un seau. Bah. Comment je peux faire pour bouger ça si... Est-ce que c'est ça qu'il faut cramer, peut-être? Il y a des choses à l'intérieur. Il n'y a pas d'entrée par le toit. Non, c'est de la paille. Et... Ok. Ah, d'accord. Le foin, ça crame. Regarde, cette étrangère nous a aidés. Ouais, c'est moi. Où? Qui es-tu? Qui suis-je? Vous l'avez. Même si j'ai l'impression que vous ne risquez pas de réussir ce que vous entreprenez. Fairy Hell, wow. Nous, fils de Ragnar, avons la situation en main. Non, en fait. Fils de Ragnar. J'en connais beaucoup, mais je n'avais jamais entendu parler de crétins et nigauds. Que cherchez-vous à faire?
Oh, po-po-po. Pour éviter un pillage. Et pour que ça fasse plus vrai, on y a mis nos biens les plus précieux. Même des pillards d'élite comme nous doivent bien s'entraîner. Tu t'entraînes en cramant une maison? Oui. Qui est à toi? Pour la gloire. Mais ils vont mourir. S'il te plaît, viens. Je n'ai pas envie d'y aller rien qu'avec mon frère. Cette attaque renforcera notre renommée, mon frère. Des clans viendront nous supplier de nous joindre à eux. D'accord, nous vous avez la clé? Nous entrerons dans les halles du Valhalla. Et ne t'en fais pas. Nous allons faire de toi une vraie guerrière. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Y a pas un délire où je peux voir la clé avec... pas trouvé la clé, là? Doux comme un agneau. Écarte-toi. Allez-y, je vous regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Porte ne veut pas s'ouvrir. Dans l'épisode d'avant, on avait des gens qui baisaient dans la maison quand la maison cramait. Donc rien ne me surprend. Par les dieux, la hache de mer! Elle est à l'intérieur. Je t'en prie, étrangère. Tu dois aller la chercher. Trouve un moyen d'entrer. Mais... J'avais raison. Mais bordel! Je trouve un moyen d'entrée, ils disent. Bah, par là, du coup, mais... Oh, ça a disparu! Let's go. Parce que ça, évidemment, ça crame pas. J'ai trouvé une entrée! Oui. Fouiller, quoi? Il n'y a rien, je ne la vois pas! Non, on a dit qu'on l'a caché dans le tonneau. Morue, argent matériel. Où est la clé? Ils ont laissé la clé à l'intérieur. Il y a un truc là. Ah, bah oui, c'est le... D'accord. Bah je sais pas, moi. Monte! Cours! Monte. Non, tu veux pas? Y'a rien là, du coup? Je peux pas monter. Je vais comprendre. Je vais comprendre. Non, je comprends pas. Bah c'est tout. On s'en fout d'ouvrir la porte, c'est ça? Je crois que c'est bon. Allô? Non? Quoi qu'il faut faire, faut que j'arrive à ouvrir la porte vraiment. Mais juste ils passent par là, non? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que quoi? Ah, fouiller les tonneaux. Toujours pas. Alors, les sacs dans le coin. Il me semble me rappeler l'avoir mis là. Les sacs dans le coin. Ah oui, d'accord. Ok, il fallait que je suive un pattern. Et que je suive un pattern, ok. Voilà. Sors de là, alors. Plus bête que leurs pieds. Oui, alors. Je n'ai rien. Vous avez de la chance. Ce n'est que pure jugeote. J'ai dû sortir la hache de mer de la maison en sachant que cet idiot allait l'oublier. Et tu as laissé la clé à sa place. Vous êtes aussi bête qu'un sac de marteau. Aussi je bête qu'un sac de marteau. N'écoute bravo. Pas ces mensonges, mon frère. Nous devons nous endurcir. Bientôt, le monde connaîtra nos noms. Oui, bravo. Waouh, une quête de fou furieux. Ok, allez, on va aller là-bas. Hop là. C'est hyper. On va aller se faire un petit saut de la foi. Je dois redoubler de prudence par ici. Ah? Ah oui, là-haut. Ah. Ok, bah on va peut-être pas y aller alors. En vrai, c'est chiant.
Vas-y, là plutôt. Ok, c'est bon, demi-tour. T'as d'être un peu énervé, donc... Allons voir ailleurs. Mais putain, j'en ai marre de cette cam qui bug. Bon, la maison qui crame, bien sûr. Et vraiment, je vois si c'est vraiment pas un problème de sensi, mais en vrai ça m'étonnerait. Mais ça me gonfle de devoir toujours maintenir la cam là. Commande. Non, c'était dans quoi déjà? Sensibilité. Et... Non mais là c'est la manette qui bug. Ça monte tout seul alors que je touche pas. Non, c'est la manette qui bug, je pense. Mais c'est fou. Non, c'est vraiment ma manette qui est en train de mourir, je crois. C'est la manette qui meurt, en fait. Hein. Juste la manette. Coucou, Edith. Ça va bien, et toi? La forme? Bienvenue à Gerboland. Ma manette bug, du coup, avec la cam, c'est très chiant. Bonne neuf. Campement de Glenford. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Inspecte les alentours, Sinin. Ah. C'est mieux, non? Ah, voilà. Ok. Regardez les paramètres actuels. Non! Ah ah! Voilà, j'ai trigger. Bien! Bon, bah, on recommence. Où est-ce qu'il s'est arrêté, le bougre? Hein. Pardon, excuse-moi, Edith, du coup, je t'ai pas lu. Très bonne fin de semaine qui, j'espère, se reproduira. Bah écoute, je te le souhaite aussi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup cette fin de semaine? Allez, sauf gift, let's go, il nous faut une manette à offrir à Tariela pour Noël. Ah, en vrai, je vais peut-être m'en prendre une, hein. Sans le Black Friday, c'est pas que vendredi, c'est tout le week-end, je crois. Donc, j'étais là. Ça se trouve, c'est ce lieu-là qui bug aussi, hein. Ça, ce serait pas impossible. Hein. Ah, il y a une échelle ici, intéressant. Ah, il y a un dude ici. Ouah, mais il y a plein de dudes! Qu'est-ce que je pourrais débloquer en termes de compétences qui pourraient me servir, là? Les dégâts de parade, ouais. J'ai des trucs un peu fufu intéressants là. On a rien là. Frappe dans le dos. Frapper un ennemi dans le dos augmente les dégâts défensifs. D'accord. Reconnaissance discrète. Attaque de sprint. Permettant d'assassiner les cibles de grande valeur à l'aide d'une attaque basée sur le timing. Assassinat avancé. Mais je l'ai ça, mais j'ai jamais utilisé, je crois. Après un assassinat réussi. Effectuer un lancer de hache sur un autre PNJ. Ouais, d'accord. Un emplacement d'adrénaline. Ouais, d'accord. Après, c'est très loin, quoi, tout. Très loin. Pas grand.
grand chose dans le fufu là. Putain, j'ai pas ça, fouille auto. Et si la fouille auto, on avait des... On avait pas genre par là la fouille auto ? Instinct de survie. Il y a tellement de trucs, je sais pas. Tir rusé. Bon, d'accord. Il n'y a rien qui me plaît vraiment là. C'est ça, visée d'urgence, ouais, d'accord. Get parade, bienfait 2. L'adrénaline, boost de dégâts, d'accord. C'est parfait, oui, j'ai déjà vu 50 fois. Neutralisation de guerrier. Tentez une neutralisation sur un ennemi inconscient du danger avec votre arme de corps à corps. On booste son adrénaline comme ça. Ok. Ou durant sprint. Mais il y a tellement de choses! Ça, c'est cool. En cas d'activation, l'attaque bondissante s'inflige des dégâts, des zones vastes, blablabla. Bon, intrépide. Maîtrise du bouclier. Pivote automatiquement pour bloquer les attaques en levant son bouclier. Oh, c'est cool ça. Parade parfaite, parer L1 au moment idéal et infliger des dégâts supplémentaires à l'assaillant. Ouais, mais ça c'est pour un combat ouvert, moi je joue des trucs pas forcément sur des combats ouverts. Ah ah. Ah, on se régène quand on tue des gens. J'en ai encore combien des points? 6! Quel enfer. Coup de genou, évidemment. Bleh! Bulia. D'accord. Vas-y, parade parfaite. Ça peut toujours être utile. Ça, non. Permutation. Je vois pas trop en quoi ça va me servir. Dégâts supplémentaires lors de tirs consécutifs à l'arc léger. Bravo, diversé. Besoin d'un verre. Ok. Doublé d'armes lourdes. Quel enfer. Les ennemis faibles sont terrifiés. Crémation de campagne. Les ennemis tués par vos attaques incendiaires continueront de brûler, infligeant des dégâts de feu aux ennemis alentours. Je suis indécise. Ça c'est pour ouais, pour éviter d'avoir à utiliser le R3, ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'une frappe dans le dos ça marche quand c'est un assassinat? Cadre explosif, je m'en fiche, je me rappelle. Ah mais je peux pas les choper là les trucs. Ah merde. Tant que vous resterez en conflit, votre adrénaline augmentera. Ça je veux bien, ouais. Bah voilà, très bien, hop. Bon, c'est pas trop ce que je voulais, mais C'est que j'ai mangé avec eux quand ils sont venus faire du commerce. Mais là, il y a trop de gens. Je suis foutu d'avance en fait. C'est un gâchis épouvantable. La moitié de...
On peut siffler ? On peut pas siffler. Mais... Tu as repéré ou pas ? Oui, d'accord. Bon bah tant pis. C'est trop chaud là de le faire en mode discrétion là. Ok, la parade s'est bien passée. Ah! Boum! Ok. La pitié du Christ, let's go. Boum. Je te piétine. Oh, pied. Oula. Il vise bien les bougres. Au pire, je vous solo, là. Tant pis pour la discrétion. Et puis, c'est parti, quoi. Bonjour. Alors, on se défend pas? Bah, si on se défend pas, évidemment. Hein. Alors, on est tombé? Bah alors on est mort. Et boum. Faisons tomber cette crevée. Où ils sont? Là-bas. Pourquoi je peux pas le cibler? Je peux pas le cibler, il est trop loin. Boum. Boum. Ah, il est pas mort. Let's go. À vous maintenant. Viens ici! Ya! Roulade! Tailladage de bide! Ok. C'est bon, vous êtes tous morts là? Ah non! Boum! Bah voilà, c'est le massacre. Quand il y a des mecs sur des petites plateformes cassables, tu peux tirer une flèche sur la plateforme pour les faire tomber. Ah. Bonjour. J'en ai ras le cul. Je pense que je vais changer de manette après ce combat, hein. Ça me saoule. Je vais chercher une autre manette en vrai. Parce que c'est pas agréable en fait, ni pour vous, ni pour moi. Le bug de la cam là. J'arrive. Alors,
Vraiment, j'étais en mode genre, vas-y, je vais piquer la manette de monsieur Tarila, parce qu'en fait, il ne s'en sert pas vraiment en ce moment, il joue à d'autres jeux. Et vraiment, pile au moment où je vais chercher sa manette, il est en train de lancer Isaac. Quel enfer, quoi. Oh, je revis. Oh, c'est trop bien. Donc, c'était pas un problème de sensi, hein. C'est vraiment ma manette qui est en train de mourir, là. Tiens! Ouais, la sensi, c'est la même. Oui, pardon, donc. Et le machin récolté, il est dans la tour là-bas, je suppose. Non, 17 mètres, 16 mètres. Ah non, celle-là. Ok. Le carbone, toujours. Encore et toujours. On en profite pour looter les petits trucs qu'il y a à côté. Là-haut aussi, il y a un truc. Allons-y. Du coup, t'as pris quoi comme manette? J'en ai pas encore pris, en fait. Il faudrait que j'en prenne une. Mais sinon, là, la manette de remplacement, c'est la même. Hein. C'est juste... Il y en avait deux, pareil. Donc, c'en est juste une autre, quoi. Ah, des minerais et du cuir. Ça, c'est cool. C'est bon, on est bon, là? Est-ce qu'on est pas mal? Je sais pas. Allons voir par là. Hop là. Bon, c'est pas aussi discret que ce que je voudrais. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez de compétences ou... Vraiment la situation là... Bon, en vrai, il y avait vraiment beaucoup de mecs. C'était impossible d'en tuer un sans me faire repérer. Il a pu incendier le poison de Baldur. J'ai vu tout cela en rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Le feu et la ruine. C'est une statue d'Odin qui crame. D'accord. Oh, c'est joli. C'est mignon comme tout. Un nouveau point de déplacement rapide a été débloqué. Bien. Si l'on me voit, je suis en danger. Ah ouais? Lorsque vous portez la cape, les gardes ne vous détectent pas. Attends, mais je suis recherchée ici? Alors, j'ai pas le droit d'être là? Ah ouais. Moi, j'ai pas le droit d'être là. Et c'est pas là-haut, du coup, là où il faut que j'aille? Eh bien, très bien. Visiblement, je ne suis pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu, mais pour l'instant, ça passe. Il suffit... Mais quoi? Mais j'en ai ras le cul. Mais comment ça? Comment ça, mon ref? Mais ok. Mais à l'aide, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pourrais peut-être baisser la qualité, mais vraiment, ça me fait chier, quoi. J'ai pas envie. Verser des pots de vin aux ivrognes. Attirer, faire diversion. Se fondre dans la masse.
Ah. Mais il est parti, monsieur l'ivrogne. Voilà. Là, on s'en fiche de moi, donc avançons. Zone de méfiance. Ça fait quoi, attirer ivrogne? Hey, tu veux de l'hydromel? Ouais, buvons une coupe. Faire diversion. Tu as assez bu comme ça. Y'a pas de bière? Je m'en doutais. Évitez d'être désecté. Asseyez-vous parmi les habitants ou utilisez les étals à proximité. Ce n'est pas une carotte. Et je refuse que... Allô? Merci. Ah, ok. Je sais pas qui c'est qui me voyait là. Ah, le mec là, ok. Et là, il me voit plus. Avançons. Ça, c'est très Assassin's Creed vibe, hein. Genre le premier. Ouais, on est d'accord. Ah, scoop! Ah, c'est ouf!